Bonsoir et bienvenue à l'Institut des cultures d'islam pour cette première conférence sur le Coran des historiens. J'ai le plaisir de dire un petit mot d'introduction pour ce cycle de trois rendez-vous qu'on a programmé avec l'Institut d'études des religions et de la laïcité, qui dépend de l'École pratique des hautes études. École pratique des hautes études, où vous êtes directeur d'études, justement, et où vous êtes titulaire de la chaire en islam classique. Et donc, cette conférence, elle a vraiment pour objet, finalement, de présenter aussi le projet du Coran des historiens. Comment est né ce projet que vous avez conduit? Qu'est-ce que ce Coran des historiens? Il y a toute une partie de contexte historique sur l'époque qui a vu naître le livre sacré des musulmans. Et puis, il y a toute une partie d'études en commentaire continu du Coran. Vous allez revenir dessus. Quand on a discuté et préparé cette conférence, vous nous avez présenté finalement des études qui ont commencé sur le Coran au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, donc ça fait presque déjà 200 ans. On revient dans le Coran des historiens, dans cette partie historique. Et puis, après ce commentaire continue. C'est donc une conférence qu'on a le plaisir de faire à l'Institut des cultures d'islam. C'est important pour nous de pouvoir proposer, en plus de notre programmation artistique et culturelle, ces rendez-vous plus scientifiques. Donc, avant de vous laisser la parole, je voulais aussi remercier Philippe Godin, qui est donc le directeur de l'Institut d'études des religions et de la laïcité, qui a suivi aussi la préparation de ce projet. Et puis, je me rends compte que je n'ai même pas donné votre nom, je crois, Ali. Donc, le professeur Mohamed Ali Amir Mouezi, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir pour nous présenter cette somme incroyable et cette aventure aussi qui a été le Coran des historiens. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de votre invitation. Merci à l'Institut de culture d'Islam. Merci à vous toutes et tous d'être là. Effectivement, je vais vous parler du Coran des historiens, donc qui est une aventure intellectuelle, enfin l'aboutissement d'une aventure intellectuelle de 5 ans et qui a abouti à un livre de 4 volumes, plus de 4000 pages. Et la collaboration d'une trentaine de chercheurs. Alors, le projet est né lorsque, en 2015, Jean-François Colosimo, qui est le directeur des éditions du CERF, m'a demandé de faire une traduction française du Coran. Et je lui ai dit que c'est vraiment un peu en dehors de mes compétences. Et puis, je lui ai dit à quoi ça sert. Bon, ce sera, je pense, la 62e ou 63e traduction française du Coran, donc ça fera une de plus, je n'en vois pas trop l'utilité. Et puis, je lui ai proposé quelque chose de très égoïste, c'est-à-dire d'abord pour moi-même, et je lui ai dit ce serait bien de faire une synthèse des études scientifiques faites sur le Coran. Donc, depuis, effectivement, la première moitié du 19e siècle jusqu'à, donc, nos jours. Et je dis égoïste parce que même moi qui suis dans le domaine, je m'y perdais. Hein, il y avait une telle, je vais y revenir, une telle multiplication des études sur le Coran et les origines de l'islam, des différentes écoles de pensée, des différentes écoles de méthodologie, etc. Et donc, je lui dis, ce serait bien de faire cela, mais simplement de manière accessible au grand public, pas seulement pour les spécialistes du domaine. Donc, il a été d'accord tout de suite. Et donc, à partir de là, avec mon collègue Guillaume Di de l'Université libre de Bruxelles, nous avons mis sur pied l'architecture du livre et une équipe de recherche. Et donc, nous avons commencé cette aventure qui a duré 5 ans. Alors, donc une trentaine de personnes à travers le monde, des chercheurs confirmés, de notoriété mondiale, mais également de jeunes chercheurs, y compris
des étudiants en doctorat de Guillaume Di et de moi-même, et donc des Américains, des Français, Tunisiens, Allemands, Italiens, Espagnols, etc. Et quelle est la spécificité de ce livre? C'est que c'est une synthèse des études scientifiques, c'est-à-dire des études historiques et philologiques, je reviendrai sur le Coran. En 2007, j'avais déjà dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle « Le dictionnaire du Coran », qui est apparu dans la collection « Bouquins » de chez Robert Laffont, et qui avait pour objectif de montrer la richesse des regards musulmans sur le Coran. Le projet était né, je dirais, peut-être pour un objectif scientifique, mais également civique et politique, c'est-à-dire après le 2001, après le 11 septembre. Donc, tout le monde parlait du Coran, de l'islam, dans le cadre où tout était amalgamé, donc entre les musulmans et les terroristes, entre le Coran et un ouvrage de domination et de conquête, ou au contraire, comme un ouvrage de fraternité et d'amour, etc. Et donc, j'ai senti le besoin de vraiment proposer au grand public, et là encore, pas seulement aux spécialistes, disons, un ouvrage très accessible, bon, qui fait quand même 1000 pages en double colonne chez dans la collection. Accessible mais pas court. Pardon? Accessible mais pas court. Non, parce que le sujet est complexe et riche. Et donc là encore, on était, je pense, 35 collègues. Et donc, c'était pour montrer justement la diversité, la multiplicité des perceptions musulmanes du corps. Donc, il n'y a pas un regard monolithique, n'est-ce pas, depuis quand même pratiquement un millénaire et demi, et que donc l'objectif était de montrer le regard des philosophes, des juristes, des exégètes, des mystiques, des hommes de lettres, des scientifiques, des géographes, etc. De remettre de la nuance. Coran. Absolument, la nuance, et puis montrer la richesse. Donc, tout le monde pensait que l'islam est bien sûr connu, surtout à travers le terrorisme, et donc c'était l'objectif de montrer non, les choses sont plus riches, plus complexes, plus diversifiées. Voilà, donc on avait utilisé tout à fait particulièrement la littérature islamique sur le Coran, la littérature exégétique, philosophique, mystique, etc. Le Coran des philosophes, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas eu recours à la littérature islamique, mais seulement à des études scientifiques sur le Coran. Donc l'objectif était d'étudier le Coran comme à l'état brut, je dirais, comme un texte religieux, historique, littéraire, des confins de nos 6e et 7e siècles, et donc avant le filtre exégétique de l'islam. Donc, ceci ne nous intéressait pas de voir comment les musulmans vont voir plus tard, à partir, disons, un siècle et demi plus tard, après les débuts de l'islam, comment eux ils ont vu et compris le Coran. Ça, c'était déjà fait, on a essayé de le faire dans le Coran, dans le dictionnaire du Coran. Mais là, c'était de voir comment les savants, donc les historiens, ont vu le Coran et l'ont étudié. Donc ça, c'est la grande différence. C'est la grande différence. Donc, en quelque sorte, ce qui nous intéressait, c'était de voir le Coran avant l'islam, entre guillemets. C'est-à-dire le Coran, comme vous le savez très souvent, les textes fondateurs, en tout cas c'est le cas dans beaucoup de religions, sont antérieurs à la naissance des religions. La religion dans le sens d'une institution collective, n'est-ce pas, avec ses doctrines, avec ses rites, avec ses institutions, etc. Donc, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de voir ce qui se passe dans le Coran, non pas ce qui se passe après, et à la limite, ce qui se passe avant le Coran et que l'on retrouve dans le Coran. Donc, c'est ça, peut-être en deux mots, la spécificité de ce Coran des historiens. Donc, nous avons essayé de donner, sur plusieurs milliers de pages, donc la synthèse des études scientifiques faites sur le Coran, augmentée des études actuelles.
parce que, j'y reviendrai, il y a énormément d'études, depuis une vingtaine d'années surtout, sur le Coran. Alors, juste un mot sur l'architecture du livre. Le premier volume est une sorte d'introduction, quand même assez large, plus de 1000 pages, composé de 20 chapitres, sur le contexte qui a vu naître le Coran. C'est-à-dire, donc, le contexte est le contexte géographique, le contexte historique. Donc, nous sommes au 6e, 7e siècle de l'ère commune, dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, et à l'intérieur de cette région, l'Arabie, mais pas seulement. Donc, sur ce contexte-là, et donc, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour cette synthèse, juste un mot sur les études scientifiques sur le Coran. Donc, ça commence, les études véritablement historiques et philologiques, dans les années 1830-40, en Allemagne, dans les milieux spécialistes de la Bible, aussi bien l'ancienne Bible, la Bible des Juifs, que la Bible des chrétiens, de très grands arabisants, et qui commencent à étudier véritablement, sur le plan linguistique et sur le plan historique, c'est-à-dire les antécédents religieux du Coran. Et donc, à partir de là, se met en branle une véritable dynamique qui connaîtra quelques grands noms. Je ne vais pas vous encombrer des grands noms qui ont jalonné l'histoire de l'étude scientifique du Coran. Donc, au début, ça se passe en Allemagne et en Europe de l'Est, en Hongrie, en Autriche, et puis vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, donc en France, en Angleterre, vous avez tous entendu parler plus tard des gens comme, je ne sais pas, Noldeke, Mingana ou Bell, ou en France, Blacher et d'autres. Donc, ça continue avec des courants en Allemagne, en Italie, en France, mais je vais surtout vous parler de deux tournants importants. D'abord, dans les années 1970, ce que les Anglais appellent le 70s shock, le choc des années 70, parce que dans les années 70, pratiquement au même moment, trois auteurs, deux en Grande-Bretagne et un en Allemagne, vont écrire des livres qui ont fait beaucoup de bruit. Disons Patricia Crone à Oxford, Michael Cook à Cambridge, donc en Angleterre, et Gerhard Lühling à Erfurt, en Allemagne. Donc, leurs ouvrages ont suscité beaucoup d'admiration, mais également beaucoup de critiques. Donc, tout n'est pas, disons maintenant, tout n'est pas soutenable dans ces livres-là, mais ils ont marqué les études sur le Coran à cause de deux choses qui sont restées valables jusqu'à nous. D'abord, le fait que ce que disent les ouvrages islamiques sur les débuts de l'islam, sur les origines de l'islam et sur la naissance du Coran ne sont pas crédibles sur le plan historique. C'est-à-dire qu'il faut les regarder et les lire avec un esprit beaucoup plus critique qu'on l'avait fait jusque-là, parce qu'ils disent tout est son contraire. Et pour une raison simple, c'est que ces ouvrages qui ont été écrits à partir de un siècle et demi, deux siècles, après l'époque du prophète Mohammed, ont été écrits dans une ambiance de guerre civile et de conquête. Et donc, chacun écrit pour sa faction, en quelque sorte, et essaye de donner du passé l'image qui arrange, disons, son idéologie politico-religieuse. On est dans le récit. Pardon ? On est dans le récit. On est dans un récit, c'est une représentation des représentations que l'on veut donner. Donc, il faut les regarder avec énormément de prudence. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut les mettre à la poubelle, loin de là, mais simplement, il faut essayer de les confronter, de les comparer, de ne pas essayer de gommer les contradictions, justement d'étudier les contradictions entre ces livres-là, etc. Deuxième chose, c'est qu'il faut prendre en compte, pour l'étude des origines de l'islam et du Coran, les sources non islamiques contemporaines du Coran. Donc, des sources juives en langue hébreu, des sources zoroastriennes en langue moyen perse, des sources surtout chrétiennes dans les différentes langues
du christianisme, c'est-à-dire le grec, le latin, l'éthiopien et surtout le syriaque, l'araméen syriaque, qui est la langue des christianismes orientaux à cette époque. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que ces sources-là disent la vérité, loin de là. Là aussi, il y a énormément de polémiques. Il y a une vision très souvent hostile à l'égard de la religion arabe qui vient de naître, mais quand même, ces sources apportent des sortes d'un éclairage nouveau, des contrepoints, un angle nouveau, et il faut les intégrer dans l'étude du Coran, et surtout du point de vue, c'est-à-dire on peut ne pas prendre en compte, disons, les polémiques, mais surtout les données linguistiques. Les données linguistiques et les données doctrinales. Donc ça, ce choc des années 70 a suscité, disons, un nouvel intérêt pour l'étude des débuts de l'islam et les origines du Coran. Donc nous sommes dans les années 80-90 du XXe siècle, donc là aussi, en France, entre autres, il y aura, je ne sais pas, des gens comme Claude Gilliot ou comme Alfred-Louis de Prémard, qui ont fait beaucoup pour les études sur le Coran. Et puis, un autre tournant, des années 2000, donc là, il n'y a pas quelques auteurs, mais des dizaines d'auteurs, à cause justement de l'intérêt suscité par ces études. Et là encore, deux points extrêmement importants qui ont vraiment marqué la méthode et les approches de l'étude du Coran et des origines de l'islam. D'abord, on a découvert ou redécouvert de manière extrêmement pertinente le poids des christianismes orientaux, surtout de langue syriaque. Jusque-là, on avait beaucoup étudié le poids, je dirais, des données juives dans le Coran, aussi bien l'Ancien Testament, mais également la littérature midrashique, la littérature talmudique, etc. Mais là, on découvrait l'importance des courants chrétiens et on s'est rendu compte que très souvent, les données juives qui arrivent jusqu'en Arabie passent par les courants chrétiens qui, à cette époque, sont encore très marqués par le judaïsme, surtout sur le plan juridique. Le judaïsme est très présent dans les courants chrétiens orientaux. Et donc, là, on trouve le poids de ces sources-là dans le Coran. Deuxième chose, des années 2000, l'importance de ce qu'on appelle l'histoire matérielle. L'histoire matérielle, c'est-à-dire l'étude des choses non textuelles, c'est-à-dire l'archéologie, c'est-à-dire l'épigraphie, ce qu'on trouve sur les pierres, inscription de pierre, la codicologie, étude des premiers manuscrits du Coran, donc tout ce qui concerne la matérialité des choses. Et puisque, disons, vers la fin des années 90, les Saoudiens ont permis les fouilles archéologiques en Arabie, pas dans la région des deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, mais quand même autour, et puis dans le reste de l'Arabie, et ce qui a abouti à des découvertes absolument fondamental. Donc, il fallait intégrer dans l'étude des origines de l'islam. Donc, à partir des années 2000, là encore, explosion des études sur les débuts de l'islam et le Coran, c'est-à-dire pratiquement, je dirais, chaque semaine, il y a un article, chaque mois, il y a un ouvrage collectif ou une monographie, bien sûr de valeur inégale, mais quand même, c'est-à-dire, on arrive jusqu'aux années 2015, et nous avons des milliers d'études dans différentes langues, surtout dans les langues occidentales, en français, en allemand, en italien, en anglais, etc. Donc, qui sont issues des courants de pensée, des écoles académiques, universitaires, etc. Qui ont bien sûr parfois des débats entre eux, tout le monde n'est pas d'accord, c'est un domaine en devenir. Donc, c'est pour cela aussi que, personnellement, moi-même, mais aussi d'autres collègues, on ressentait le besoin d'essayer de voir un peu plus clair, hein, dans ce labyrinthe, dans cette jungle d'études sur les origines de l'islam. Donc, le Coran des historiens essayait de faire la synthèse de tout cela. Donc, dans le premier volume, on regarde, on essaye d'introduire, de planter le décor en quelque sorte,
Donc, ce qui se passe en Arabie, autour de l'Arabie, j'y reviendrai, c'est-à-dire l'Arabie n'est pas isolée, hein, là aussi, contrairement à ce que disent les textes islamiques, hein, de l'Arabie du prophète Mohammed, qui est en relation constante avec tout ce qui se passe autour. Donc, ce qui se passe en Arabie même, dans les grands centres de l'Arabie, mais également autour de l'Arabie, donc au nord chez les Byzantins, chez les Iraniens, chez les Éthiopiens, au sud chez les Yéménites. Donc là, nous avons affaire à des centres de culture extrêmement importants. Qui sont les Juifs de cette époque-là? Où vivent-ils? Que croient-ils? Qui sont les chrétiens? Dans quelle langue? Avec quelle christologie? Qui sont les Zoroastriens à cette époque? Qui sont bien sûr en relation avec l'Arabie. Religion extrêmement importante, mais injustement oubliée, le manichéisme, extrêmement puissant, extrêmement présent dans toute cette région. Quelle est la situation juridique de la région dans les différentes cultures, extrêmement important. Et puis, ce que nous disent les fouilles archéologiques, hein, en Arabie, depuis une trentaine d'années, vingtaine ou trentaine d'années, que nous racontent les inscriptions sur pierre, que nous disent les manuscrits, surtout les manuscrits anciens, hein, que l'on a trouvés sur le Coran. Et donc, on avance dans le temps, et donc, la naissance du Coran, sa mise par écrit, sa rédaction, son élaboration, sa canonisation, et donc, voilà, les grandes conquêtes, les grandes guerres civiles, les grandes conquêtes, la naissance de l'Empire, et donc, pour donner une idée plus claire du contexte qui a vu naître le Coran. Le deuxième volume, qui comprend deux tomes, 2A et 2B, et là, c'est véritablement une première mondiale, c'est une première historique, c'est-à-dire un commentaire continu de la totalité du Coran, du début à la fin, les 114 sourates, les 114 chapitres, pratiquement verset par verset, mais selon le point de vue philologique et historique. Là, c'est une première. Donc, nous ne regardions pas ce que disaient les musulmans, ce qu'ont dit les musulmans sur ce contenu. Donc ça, comme je l'ai dit, on en avait parlé dans le dictionnaire du Coran, mais ce que dit le texte, véritablement, à l'état brut, ce qu'on trouve dans le texte, ce qu'on appelle les sous-textes, les intertextes. Qu'est-ce qu'on trouve, justement? On trouve des données juives, judo-chrétiennes, chrétiennes, parfois zoroastriennes, etc. Et même parfois, on a découvert que certaines parties du Coran sont pratiquement des paraphrases en arabe, des traductions en arabe des textes antérieurs. Et donc, ce qui montre que, véritablement, le Coran, et ça aussi, c'est une donnée historique extrêmement importante, peut véritablement être considéré comme le dernier grand texte de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et que entre le Coran et les textes religieux antérieurs, il n'y a pas véritablement une rupture. C'est une continuité. C'est une continuité que l'on peut trouver sur le plan linguistique, sur le plan doctrinal, sur le plan religieux, etc. Donc là, c'est véritablement peut-être l'apport majeur du Coran des historiens, et je suis heureux que ça s'est fait en français, hein, parce que depuis longtemps, tout se faisait surtout en anglais, les études sur le Coran, même ce qui est un peu désolant, mais c'est comme ça, les savants français écrivaient de plus en plus en anglais. Hein, et donc, moi j'étais toujours radicalement contre cette pratique, parce qu'on dit oui, il y a plus de gens qui nous lisent, si c'est, oui d'accord, mais si on fait comme ça au bout de 20 ans, le français n'existera plus comme langue académique. Je suis très, très heureux et fier de qu'on l'ait fait en français. C'est-à-dire il y avait beaucoup de textes en anglais et en allemand qu'on a traduit en français. Hein, voilà. Alors on va accueillir, dans les deux autres conférences qui vont suivre celle-ci, on va accueillir deux chercheurs qui vont s'appuyer chacun sur une sourate, justement. On parlait de commentaires continus.
Et je n'en dis pas plus à ce stade, j'ai un peu de teasing pour la suite. Mais là, sur cette introduction, justement, même si on ne peut pas résumer ces 1000 pages de contexte à la fois historique, politique, géographique, quels seraient les principaux enseignements qu'on pourrait là partager? Alors, quelles sont les conclusions? C'est difficile à dire, il y en a beaucoup. En même temps, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, hein, beaucoup de points d'interrogation, ce qui est normal, parce que c'est une matière extrêmement difficile, extrêmement complexe. Même entre nous, entre les auteurs, nous ne sommes pas toujours d'accord, ce qui est normal. Donc, il y avait des débats, ceux qui ont lu du début à la fin du Coran des historiens disent « Ah oui, il y a parfois des divergences, oui, c'est comme ça, chaque auteur est indépendant, mais en même temps, bon, il n'y a pas des contradictions, je dirais, majeures. Ce que je peux dire, et je terminerai là-dessus, peut-être très rapidement, une conclusion qui est, disons, acceptée pratiquement maintenant par la grande majorité des chercheurs. Et je le présenterai sous forme d'un syllogisme. D'abord, le prophète Mohammed est venu annoncer la fin du monde. C'est-à-dire que cette dimension apocalyptique du Coran est extrêmement importante et très lourdement présente dans le Coran. On en parle peu parce que, justement, la tradition islamique postérieure a essayé un peu de gommer cette dimension-là, comme on l'a fait dans le christianisme. Le Christ dans les évangiles annonce très fortement la fin du monde. Mais bon. Donc, la fin du monde est la fin du monde de manière imminente. Donc, cette histoire-là est lourdement présente, non pas dans une ou deux sourates du Coran ou quelques versets, mais dans des dizaines de sourates, en particulier, à part deux ou trois exceptions, les 35 dernières sourates, les sourates courtes, qui sont les plus anciennes aussi du Coran, qu'on appelle l'apocalyptique coranique, justement, et puis à travers des centaines de versets disséminés un peu partout dans les autres endroits du Coran. Le vocabulaire qui est utilisé montre l'imminence de la fin du monde, et donc ces parties apocalyptiques annoncent des bouleversements cosmiques, l'arrivée du jugement dernier, et donc il est demandé aux hommes d'être bons, c'est très important, de prier, de jeûner, de payer l'aumône, et pour être, et d'aider les autres, ce qui est important. Bon, on en reparlera peut-être, la notion de djihad est pratiquement absente dans ces parties-là, on n'en parle pas. Les autres devoirs religieux sont là, l'aumône, la prière, le jeûne, et la bonté, l'altruisme, mais pas la guerre. Et donc, pour pratiquer ces vertus-là, pour être épargné de la colère divine qui tombe et du jugement dernier. Pourquoi la fin du monde? Parce que dans toutes les cultures de cette époque et de cette région, tout le monde pense que c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'à la même époque, nous avons des apocalypses juives, deux en hébreu, pratiquement avec la même prose, avec les mêmes contenus, les bouleversements cosmiques, n'est-ce pas, et l'invitation à la bonté et à la vertu, etc. Nous avons à la même époque deux apocalypses zoroastriennes en moyen perse, et surtout des dizaines d'apocalypses chrétiennes en langue syriaque, et dont le contenu est très proche aussi du Coran. Donc, quand je parlais de paraphrase ou pratiquement de traduction arabe des textes antérieurs, je pensais aussi à ces parties apocalyptiques. Alors, pourquoi cette ambiance de la fin du monde? Parce que, à cause des guerres, il y a depuis un siècle des guerres absolument abominables entre les deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire les Byzantins et les Iraniens sassanides, avec leur lot de massacres, de déportations, de maladies, de taxes, très importants. Les gens sont très lourdement taxés. Il y a deux épidémies de peste, hein, dont une est très connue en Occident, l'épidémie d'Emmaüs, qui a fait des centaines de milliers de morts. On a fait des études astronomiques, on sait qu'il y a eu des éclipses,
des études géologiques qui montrent qu'on a eu des tremblements de terre absolument abominables, avec énormément de morts. Je vous rappelle qu'il y a une sourate du Coran qui s'appelle la Zalzal, c'est-à-dire le séisme. Donc le Coran parle, de ce, qui est impressionné par, par ces bouleversements justement naturels. Donc il y a une ambiance de fin du monde. Il y a une ambiance de fin du monde, avec bien sûr beaucoup d'angoisse, mais avec également beaucoup d'espoir. Deuxième terme de mon syllogisme, le Coran appartient à une tradition biblique. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disent les sources islamiques plus tardives, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre d'ignorance. La période anti-islamique est appelée dans les sources islamiques la période de la jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire l'idolâtrie, le paganisme. Les gens n'adorent pas des arbres, des cailloux, enfin des idoles. On le sait par des fouilles archéologiques. On le sait par l'épigraphie, par beaucoup de choses, par les sources non islamiques. Et puis, la preuve la plus absolue, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire qu'à côté de quelques versets sur les idoles de l'Arabie pré-islamique, qui existent peut-être, mais peut-être chez les Bédouins, et de manière tout à fait sédimentaire, l'islam et le Coran est un message des villes de l'Arabie, et non pas des Bédouins. Nous sommes dans une culture tribale, mais pas bédouine. C'est très important de faire la différence. Donc, à quelques versets sur les idoles et sur les prophètes proprement arabes, Hud, Saleh, etc., chaque page de Coran est remplie de données bibliques. Chaque page. C'est-à-dire, les figures bibliques sont extrêmement présentes. Ça va d'Adam jusqu'à Jésus, Zacharie, Marie ou Jean-Baptiste, en passant par Abraham, Moïse, les deux grandes figures du Coran, Salomon, David, Jonas, Job, etc. Les prophètes bibliques, voilà. Donc, l'Ancien et Nouveau Testament. Les figures bibliques sont extrêmement présentes, les thèmes bibliques sont très présents. Quel est le credo coranique, en quelque sorte, la profession de foi? C'est le monothéisme, l'unicité de Dieu. C'est le prophétisme, c'est-à-dire de temps en temps Dieu parle à quelqu'un qui transmet son message à sa communauté, le prophétisme, et le jugement dernier. Monothéisme, prophétisme, jugement dernier, ce sont des thèmes bibliques, n'est-ce pas? C'est-à-dire n'importe quel juif et n'importe quel chrétien se reconnaît dans ce credo. Le vocabulaire biblique est très présent, les langues bibliques sont très présentes, le vocabulaire religieux coranique est très imprégné des langues liturgiques des grands monothéismes antérieurs, c'est-à-dire les judaïsmes et les christianismes. Il y a des mots que l'on croit appartenir à l'arabe, mais ils sont entrés dans l'arabe à partir du Coran. Le mot Qur'an, c'est-à-dire le Coran, n'est pas arabe. Ça vient du syriaque. Qur'an, ça veut dire livre de prière, lectionnaire. Le mot ayah, c'est-à-dire verset, n'est pas arabe, c'est du syriaque, c'est-à-dire division du texte. Le mot surah, c'est-à-dire surat, un chapitre, c'est du syriaque, ça veut dire chapitre d'un texte. Le mot zakat, le mot salat, qui s'écrivent d'ailleurs zakot ou salot, comme ça s'écrivait en syriaque, ça vient du syriaque. Le mot hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, omra, le petit pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les mots religieux extrêmement importants venus des langues liturgiques, des monothéismes antérieurs, et que l'on trouve dans le Coran. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, les thèmes et les figures bibliques sont là. Le pauvre Coran ne dit pas autre chose. Le Coran a très souvent se présente comme une continuation du message de Moïse et de Jésus. Donc de la Torah et de l'Évangile. Il nous reste peu de temps, donc annonce de la fin du monde, appartenance à la culture biblique, si on a ces éléments, à cette époque et dans cette région, la conclusion de syllogisme va de soi, l'arrivée du Messie.
l'avènement du Sauveur. On ne peut pas appartenir à une culture biblique et annoncer la fin du monde à cette époque et à cet endroit et ne pas parler de l'avènement du Sauveur. Alors pourquoi je dis ma phrase de manière négative? On ne peut pas ne pas parler du Messie parce que, curieusement, le Coran n'en parle pas. Alors, il en parle, Jésus est le seul personnage qui est appelé le Messie. Hein, à chaque fois, on dit « Issa ben Mariam, fils de Marie, al-Masih », le Messie. Mais le Coran le dit comme si c'était son nom de famille. N'est-ce pas ? Issa al-Masih, Jésus le Christ. Mais il ne dit pas qu'est-ce que ça veut dire, ce terme, qui est extrêmement chargé, n'est-ce pas ? Alors, de ce point de vue-là, il y a une contradiction flagrante entre le Coran et la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith, les traditions prophétiques. Dans les couches anciennes des traditions prophétiques, par contre, on parle beaucoup de l'avènement de ce sauveur qui est justement Jésus. Donc, en accord avec le Coran, qui est le Christ. Donc, dans le hadith, on parle beaucoup de la fin du monde, des thèmes bibliques, etc., et la venue du sauveur. Donc, il y a des discussions pourquoi le Coran n'explique pas ce terme du Christ, mais en tout cas, le Christ est là, sans explication, mais le Christ est là. Et donc, nous avons affaire à, disons, ce contexte-là, mais qui va changer, et je terminerai là-dessus, et puis on passe à l'échange. Comme dans le cas du christianisme, les problèmes commencent lorsque la fin du monde n'arrive pas. Eh oui, la fin du monde n'arrive pas, le prophète qui l'annonce meurt, le sauveur n'arrive pas, et puis ce qui rend l'affaire de l'islam encore plus complexe que ce qui est arrivé dans d'autres religions, c'est que, à la mort du prophète, commencent les guerres civiles entre les musulmans. Et des guerres civiles qui vont durer 3 siècles. Ça, c'est propre à l'islam, c'est-à-dire que pratiquement toutes les grandes figures de l'islam naissant sont mortes de mort violente, tuées par d'autres musulmans. Ça, c'est un cas quand même assez particulier. Et puis, en même moment, un autre événement qui va changer la face du monde, les grandes conquêtes, au bout de 30 ans, après la mort du prophète, l'empire arabe, qui ne s'appelle pas encore l'empire musulman, contrairement à ce que disent les sources islamiques, l'islam n'est pas encore né, l'empire arabe va pratiquement, je dirais, de la Libye jusqu'en Chine. Donc, les grandes conquêtes et la naissance de l'empire. Donc, on change de monde, on change de paradigme. Et tous ces événements-là sont contemporains, sont simultanés. Les guerres civiles, les conquêtes, la naissance de l'Empire, la rédaction du Coran. Donc, bien sûr, il y a des articulations entre ces événements. Il ne faut pas imaginer, ces gens-là font la guerre le matin, s'entretuent ou bien conquièrent des pays entiers, et puis le matin, ils arrivent sur leur bureau et disent « Bon, je vais mettre par écrit le Coran ». Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, peu à peu, c'est à cause de ces événements-là qu'on essaie justement de forger peut-être une nouvelle mémoire collective. Donc, peu à peu, faire oublier peut-être la dimension apocalyptique qui n'a pratiquement plus lieu d'être. Et puis, également, c'est-à-dire de donner une nouvelle définition de la nouvelle religion, d'essayer de gommer en quelque sorte les racines juives et chrétiennes du message du prophète arabe, et puis, avec peut-être le règne de Abdelmalek, nous sommes à la fin du 1er siècle, qui est le 5e calife omeyyade, qui est un calife extrêmement important, que certains historiens considèrent comme étant le fondateur véritablement de l'islam en tant que religion impériale, religion de l'empire, donc la naissance d'une religion qui va s'appeler, ça
ça date de l'époque Abdelmalek, qui va s'appeler Islam. Les fidèles du prophète s'appelaient les croyants, les mu'minoun, ou les émigrants, les muhajirun. Les musulmans, c'est autre chose. Et donc, Islam, comme religion de l'Empire, et comme supérieure aux religions des peuples conquis, n'est-ce pas, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, donc un empire qui a sa propre langue. Abdelmalek déclare que l'arabe est la langue officielle de l'empire, jusque-là c'était pas le cas. Donc l'empire a sa propre religion, a son propre livre, n'est-ce pas, donc c'est la version officielle du Coran, mais il y a des versions non officielles qui vont circuler pendant 3 siècles, hein, des Corans qui sont différents dans leur forme et leur contenu. Et donc, voilà, donc nous avons ce paysage-là, l'appartenance biblique du message du prophète arabe, le fait que le Coran est un livre appartenant à l'Antiquité tardive. Donc, tout cela nous donne une image complètement renouvelée, disons, du message du prophète arabe et de son livre. Merci. Oui, on va tout de suite ouvrir les questions, je pense. On va vous passer un micro pour pouvoir enregistrer voilà, votre voix. Bonjour, alors, je suis impressionnée parce que j'ai commencé le premier tome et j'ai appris énormément de choses, des choses qui sont effectivement contradictoires, mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça a répondu à certaines questions. Je suis musulmane, algérienne, française, mais n'ayant pas appris l'arabe, vu que je suis arrivée en pleine guerre d'Algérie, à l'époque, ce n'était pas la mode d'apprendre l'arabe. Donc, je n'ai pas appris l'arabe et j'ai fait des études scientifiques. Je suis biologiste de formation, donc je n'ai pas eu le temps d'aller faire de l'arabe. Donc, j'ai toujours lu, tout ce que j'ai lu sur l'islam, c'est en français. Et j'ai cherché un livre pendant des années qui fasse ce que vous avez fait avec tous ces auteurs, c'est-à-dire une étude un peu plus scientifique de ce qu'est le Coran. Et j'ai été impressionnée par le travail que vous avez abattu entre, je ne sais pas, vous êtes 30 ou 40 chercheurs. Et je trouve que pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que l'islam et ce qu'est le Coran, avec une vision non pas religieuse, mais de l'histoire de l'islam et du Coran, je trouve que c'est un travail exceptionnel. Bon, moi, je ne connaissais pas les écrits allemands ni les écrits anglais, je ne connaissais que les écrits français. Et le peu que j'avais lu ne me satisfaisait pas parce qu'il ne répondait pas aux questions auxquelles je me posais moi en tant que musulmane. Et j'ai enfin trouvé un livre qui répond à mes questions. Alors, je vous remercie parce que c'est une somme de travail qui est énorme et je suis assez impressionnée par ce travail. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais pas prendre le micro pendant 50. Je vais en poser que 3. La première, quel est le premier Coran qui a été écrit? Parce qu'il a été dit qu'au moment où le prophète aurait envoyé un des Corans au Yémen, qui serait le plus ancien Coran. Je ne sais pas si c'est la réalité ou si j'ai mal compris. Et qu'en fait, il aurait quelques différences avec le Coran officiel qui a été canonisé par je ne sais plus quel responsable politique. Et j'aimerais savoir si ce Coran existe et si effectivement il a une différence avec le Coran officiel. Parce que le Coran officiel, je crois que c'est les Égyptiens, je crois, qui ont, à la mosquée d'Al-Aqsa, ont décidé que c'était le Coran officiel et qui en fait n'est pas tout à fait le Coran tel que écrit du temps du prophète, du temps où il vivait. C'est-à-dire que quand il vivait, il a envoyé quelqu'un, enfin c'est ce qu'on m'a raconté et ce que j'ai lu, qu'il a envoyé quelqu'un avec une version du Coran qui était plus proche de ce que lui donnait comme étant le vrai Coran. La deuxième question, j'ai été surprise de voir que maintenant, heureusement, en Arabie Saoudite, ils font des études sur ce qu'a été l'histoire de leur pays avant l'arrivée de l'islam. Et il y a un monsieur, je ne sais plus son nom, qui a fait des études sur les épigraphes, qui a trouvé des écrits, des machins. Voilà. Et cette personne a fait des études sur ce qu'a été l'histoire de l'Arabie Saoudite avant l'islam. Et il se trouve qu'il y a des choses qui sont contradictoires et d'autres, au contraire, qui rappellent aussi le Coran.
Alors, la troisième question, j'arrêterai là, c'est comment se fait-il que ces études n'ont pas été faites entre le 7e siècle et le 19e ou le 20e, et qu'il a fallu attendre le 21e siècle pour qu'on ait un travail scientifique sur le Coran, vu que l'islam a été à une période, une civilisation très, très importante. Et je me demande pour quelles raisons, au Moyen-Âge musulman, il n'y a pas eu des scientifiques qui aient fait ce travail pour montrer ce que c'était que le Coran. Voilà, merci. Merci. D'abord, je suis très, très fier et touché que le livre vous a été utile. Merci infiniment pour vos... Alors, la question, c'est que je pense que, en parlant du Yémen, vous parlez du fameux manuscrit de Sana'a, de la mosquée de Sana'a. Alors, on ne sait pas si c'est le prophète qui l'a envoyé. Ça, on ne le dit pas. Non, non, non. Ce qui est sûr, c'est que par, disons, la méthode de Carbone 14, on sait que, en tout cas, le manuscrit de Sana'a est probablement le plus vieux manuscrit de Coran trouvé jusque-là. Mais il y a plusieurs problèmes. C'est que la méthode de Carbone 14 n'est pas à 100% sûre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de 50, 60, 100 ans. Donc, pour notre problème, ça change tout. Bon. Ensuite, le manuscrit de Sana'a est en miettes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de fragments. Parce qu'on a découvert ça dans les années, je crois que c'était en 72 ou 73, dans une sorte de faux plafond de la mosquée de Sana'a, où on faisait des travaux. Donc, ce faux plafond a cédé, et puis ces morceaux de papier sont tombés. Et donc, on s'est rendu compte qu'il s'agit du Coran. N'est-ce pas? Mais je crois qu'il y en a, je ne sais pas, peut-être 6 000 ou 7 000 fragments. Hein? Donc, on a mis plus de 20 ans, surtout une équipe allemande, pour reconstituer ce puzzle en quelque sorte. Et puis, on s'est rendu compte que, de toute façon, il ne s'agit pas du Coran entier. Hein? Ça représente à peu près un tiers du Coran que l'on connaît. Et ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, déjà, dans le texte que l'on a reconstitué, il y a des divergences par rapport à la version officielle. D'autre part, il s'agit d'un palimpseste. Qu'est-ce que ça veut dire un palimpseste? C'est-à-dire un manuscrit, des feuilles, n'est-ce pas, des parchemins, sur lesquels on a écrit un texte, qu'on a effacé et qu'on a réécrit un autre texte par-dessus. C'est ça ce qu'on appelle un palimpseste. On s'est rendu compte que le texte inférieur qu'on avait effacé était déjà du Coran. Donc on s'est dit, mais pourquoi? Parce que, vous savez, on le dit comme ça, c'est parce que ça nous paraît facile. C'est quelque chose de très difficile et très coûteux, déjà, de préparer des parchemins ou des manuscrits, n'est-ce pas, d'écrire dessus. Pourquoi on a ressenti le besoin d'effacer cela pour réécrire du Coran dessus? Pourquoi on n'a pas pris d'autres manuscrits, etc. Probablement parce que le texte inférieur avait des divergences extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Bon. Ce qui montre que ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pendant les premiers siècles de l'islam, il n'y avait pas un Coran, mais des Corans, des versions différentes du Coran. Les sources islamiques en parlent elles-mêmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de trouver des manuscrits. Les sources islamiques elles-mêmes, les musulmans ont oublié ces textes-là, mais qui parlent d'au moins 5 Corans différents qui circulaient sur les terres d'islam jusqu'au début du 4e siècle de l'Hégire. Début du 4e siècle. Donc, ce qu'on appelle les mushaf, hein, les recueils, les recensions coraniques, donc pluriel mushaf, il y avait le mushaf, le codex officiel, qu'on appelle celui d'Osman, le troisième calife, mais aussi de Ubay ibn Ka'b, compagnon du prophète, de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète, de Ali, autre compagnon, de Abu Musa al-Ash'ari, etc. Et les sources islamiques donnent des citations de ces recensions coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel, que les autorités qui ont mis sur pied cette version officielle n'ont pas finalement intégrée dans la version officielle. Et ce n'est pas seulement des versets,
Nous avons parfois des sourates entières, des sourates, donc qui n'ont pas été. Donc, il y avait des débats qui sont parfois aboutis à des conflits sanglants autour du livre. Hein, comme vous le savez, bon, le livre, mis à part sa dimension religieuse, est aussi un instrument de pouvoir. Et donc, effectivement, les différentes factions qui étaient en guerre les unes contre les autres avaient chacune leur recension coranique. Donc, il y avait ces débats-là. Pourquoi on a attendu le XXIe siècle? Parce que, si vous voulez, bon, on a attendu aussi le XVIe, XVIIe siècle dans le christianisme pour aborder de manière scientifique les Écritures saintes. Parce que, jusque-là, les approches sont des approches confessionnelles, tout simplement. Et donc, une approche, je dirais, scientifique dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire non confessionnelle, c'est-à-dire on met de côté ses croyances, sa foi, etc., on regarde le texte du Coran, de l'Évangile, de la Torah, comme on regarde Victor Hugo ou Stendhal, ça n'existait pas, ni en Occident, chrétien, ni en islam. Ce qui est normal, je dirais, ça fait partie, je dirais, de la mentalité traditionnelle ou traditionnaliste. Donc c'est pour ça aussi qu'on a appelé le Coran des historiens. Ça veut dire qu'il est différent du Coran des croyants, en quelque sorte. Ou en tout cas, le regard est différent. Le regard est différent. Donc le regard de l'historien est un regard froid, respectueux, mais froid, en se fondant sur un certain nombre de méthodes qui sont nées justement dans les études bibliques. On n'a pas d'autres exemples, hein, c'est comme ça. La critique biblique, à partir de la fin de Renaissance et puis 17e, 18e, 19e. Et donc, on a affaire justement à des données historiques, philologiques, linguistiques, etc. Et maintenant, archéologiques, épigraphiques, codicologiques, paléographiques, etc. Donc, qui sont parfois, et pourquoi il y a eu des résistances aussi bien dans le christianisme qu'actuellement dans l'islam à l'égard de cette approche, parce qu'on sent que cette approche menace la foi. Pardon ? C'est comme ça qu'on l'interprète. Oui, mais c'est comme ça. Donc il y a eu énormément de résistances déjà en Occident, parfois sanglantes. La chose ne s'est pas faite en Occident non plus de manière facile. Hein. Il a fallu quelques siècles de conflits, parfois violents, pour que la chose soit acceptée. Mais on n'a pas eu la même évolution et la même histoire dans les pays de l'islam. C'est-à-dire cette évolution, la mise en place de la méthode critique fait partie de l'histoire occidentale, mais ne fait pas partie de l'histoire des pays de l'islam. Alors, je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais il faut que les musulmans sachent que cette méthode n'est pas forcément une menace pour la foi. Ceux qui ont dit dans le christianisme qu'il s'agissait d'une menace contre la foi, c'était qui? Les autorités religieuses. C'est la même chose, je dirais, en islam. Hein, donc, ce n'est pas par hasard que le Coran des historiens a été attaqué par Al-Azhar. Parce que, bon, ce qui est en même temps normal. Bon. Donc, il faut, si vous voulez, il faut qu'il y ait créer des convergences, des ponts entre la vision scientifique, historienne, philologique de la chose et la vision confessante, la vision théologique. Ce ne sont pas des visions forcément hostiles ou contradictoire, mais simplement, il faut y penser. Et bon, c'était aussi, on le dit dans l'introduction de manière tout à fait claire, Guillaume dit et moi, cette initiative est une initiative scientifique, mais aussi une initiative civique et politique dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que je pense que, justement, ce qui peut apaiser les choses, le fanatisme, donc une vision, je dirais, émotionnelle des choses, c'est de prendre une distance. Et ce qui nous apprend cette distance, c'est la méthode critique. La distance, ce n'est pas irrespect.
ce n'est pas la perte de la foi, mais c'est simplement faire un pas de côté pour regarder les choses, non pas peut-être seulement à partir de sa subjectivité, qui est tout à fait respectable, mais à partir de ce qu'on a devant soi, à partir de l'objet. Et je trouve que c'est un respect à l'égard de l'objet. Peut-être, Ali, juste avant de prendre une question, une autre, parce qu'on a quand même un petit peu de temps, dire un petit mot de cette version stabilisée du Coran, version officielle dont il a été question jusqu'à présent, pour partager les éléments de contexte aussi de ce temps d'officialisation d'une version. Alors, cette version officielle a mis, comme je viens de le dire, plus de 3 siècles pour être acceptée par tous les musulmans. C'est-à-dire que l'apologétique musulmane a présenté les choses à partir, disons, du 3e siècle, hein, c'est-à-dire la mise en place de ce qu'on appelle l'orthodoxie sunnite, a présenté les choses comme si, dès le début, les musulmans étaient tous d'accord, n'est-ce pas, sur le contenu de ce livre, qu'ils ont eu tous une attitude fraternelle les uns envers les autres, n'est-ce pas, tout s'est passé très calmement. Avec le prophète, l'islam est établi comme religion établie, avec ses rites, avec ses pratiques, avec... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça, si vous voulez, ça se voit également quand on regarde, quand on lit attentivement les textes islamiques, hein, et qu'on étudie leurs contradictions les unes entre les autres, avant leur harmonisation politique du 3e siècle. Parce que ça a été une initiative politique. Donc, selon la version officielle, la version authentique, entre guillemets, du Coran, a vu le jour très tôt, donc quelques décennies après la mort du prophète, sous le califat de Osman, le troisième calife. Et donc, Osman met sur pied la version officielle et demande la destruction des autres versions. Et puis, bon, à part quelques hérétiques, n'est-ce pas, qui se rebellent contre la mise en place de cette version, tous les musulmans acceptent cela. Alors que, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, quand on regarde les textes, on voit que il y a comme je vous l'ai dit, hein, on parle des codex différents, des recensions coraniques différentes, avec des divergences très grandes, qu'il y a eu des guerres autour du Coran, qu'il y a eu des guerres pour d'autres choses, qu'il y a eu des guerres entre les musulmans, des guerres extrêmement violentes. Donc les pouvoirs califaux ont toujours eu à réprimer des mouvements de rébellion extrêmement nombreuses pendant plusieurs siècles. Et donc, le Coran ou les Corans faisaient partie de ces conflits, faisaient partie des enjeux de ces conflits. Et donc, c'est au début, voilà, dans la première moitié du 4e siècle, que nous avons peu à peu des sources qui nous parlent de la disparition des Corans parallèles, et surtout des procès contre ceux qui enseignaient le Coran selon ces versions parallèles, c'est-à-dire qu'au début du 4e siècle, on enseignait encore ces versions parallèles-là, donc des procès de ces gens-là, et le fait que à peu près tout le monde, même les chiites qui sont les adversaires les plus farouches de la version officielle, vont adopter la position majoritaire en continuant clandestinement à mettre en doute l'authenticité du Coran officiel. Donc, ce Coran officiel a mis du temps. Donc, selon la version officielle, c'est au temps de Haussmann. Selon la version scientifique, cette version-là a très peu de chances d'être réellement historique. C'est plutôt l'époque de Abd al-Malik, comme je l'ai dit, qui est une époque ancienne. Hein. Donc, Haussmann, c'est dans les années 20-30. Abd al-Malik, c'est dans les années 70-80, de l'Égypte. Donc, il y a 50 ans à peu près entre les deux, mais pendant ces 50 ans, on change de planète. C'est-à-dire, ont eu lieu les guerres civiles, de manière de plus en plus forte, les conquêtes et l'Empire. Donc, tout change. Et donc, c'est probablement Abd al-Malik qui met sur pied la version officielle, probablement en l'attribuant à Osman, au cinquième calife. C'est peut-être un clin d'œil, parce qu'il est Omeyyade, et Osman, que l'on dit le calife bien guidé, mais il est véritablement le premier calife omeyyade
de l'Issa. Il appartenait à la famille Omeyya. Donc, voilà, c'est une histoire complexe, hein, l'histoire de la mise en place de la version officielle du Coran. En ce moment, justement, je lis la biographie du prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, de Martin Links, que vous connaissez peut-être. Martin Links. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il avait dû s'exiler à Médine parce que il y avait beaucoup de tribus qui n'étaient pas d'accord avec, avec le message qu'il avait reçu et ne comprenaient pas pourquoi lui avait reçu le message et pas les autres. Et en fait, ça, c'est depuis le début, il y a des guerres... complètement délirantes dès le début, en fait, hein, du vivant du prophète, quand il a reçu les messages, quand il a commencé à recevoir les messages, les sourates pour le Coran, quand il se retirait dans sa caverne. Et il a dû vraiment s'exiler et faire des guerres pour survivre et faire perdurer l'islam. Et j'ai l'impression que c'est comme ça depuis le début, en fait, depuis la naissance de l'islam. Alors, si je peux vous répondre, c'est que la façon dont vous formulez les choses... Non, c'est une question. Oui. Les choses ne se formulent plus de cette manière-là. C'est-à-dire, vous parlez de choses comme si vous les avez lues dans le monde d'hier. N'est-ce pas? Le prophète est allé à Médine, il y avait des gens, il a fait des guerres, et ensuite l'islam, non. Pourquoi? C'est-à-dire, dans le Coran des historiens, il y a un chapitre sur la vie du prophète qui s'appelle « Les vies » au pluriel de Mohammed, qui fait 60-70 pages et qui, à première vue, est extrêmement décevante parce qu'au bout de 70 pages, l'auteur, qui est un grand savant américain, Stephen Shoemaker, dit « Nous ne connaissons rien de la vie de Mohammed. » Et la seule position possible de l'historien. C'est la seule position. La biographie historique de Mohammed est absolument impossible à établir. Impossible. En plus, il y a des précisions. Je vais vous dire pourquoi. Au niveau des prénoms, au niveau des lieux, au niveau des tribus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, c'est-à-dire, nous sommes au milieu du 3e siècle, dans les années 250, 260. Le pouvoir califal abbasside demande, justement, fait une commande d'un livre sur la vie du prophète, en demandant que les contradictions sur cette vie soient le plus possible effacées pour donner une vie cohérente de la vie du prophète. Donc nous sommes en 240. C'est la Sira d'Ibn Hisham, n'est-ce pas, qui est fondée sur une Sira un peu plus ancienne, la vie du prophète. Mais si vous regardez les vies du prophète, les récits de la vie du prophète avant cette date, c'est-à-dire avant cette tentative d'harmonisation, de d'effacement des contradictions, vous avez tout et son contraire sur le prophète. Tout et son contraire. C'est-à-dire que ces textes ne sont d'accord sur même les données les plus basiques de la vie du prophète. Il y a des divergences profondes sur la date de sa naissance, sur la date de sa mission prophétique, quand est-ce qu'il a reçu la première révélation, sur la date de l'égir, sur la date de sa mort, sur le nombre de ses épouses, sur le nombre de ses enfants, ça va de 1 à 13, sur le nombre de ses batailles, sur sa personnalité. Vous avez un prophète féministe, ascète, mystique, tolérant, pauvre. Vous avez un prophète misogyne, tortionnaire, assassin, combattant, chef de guerre, riche. Et vous avez toutes les combinaisons entre ces données. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début. Chacun essaye de donner du prophète l'image qu'il arrange. Et ça continue avec les islamologues. J'aime beaucoup Martin Links, que j'ai connu dans ma jeunesse. Mais ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est de dire que le prophète était un mystique et qu'il est le père fondateur légitime de la mystique musulmane. C'est une vision qui me convient. Moi, je trouve que la mystique est quelque chose, peut-être la chose la plus magnifique dans la culture islamique. Mais c'est la représentation de Martin Links, basée sur
des représentations des auteurs qui veulent donner, des auteurs classiques qui veulent donner du prophète, l'image d'un mystique. Mais vous en avez d'autres. N'est-ce pas? Donc, ce que, pardon, je termine. Ce qu'il faut faire, c'est que, et surtout, si vous voulez, au temps du prophète, on ne parle pas d'islam. N'est-ce pas? Regardez un peu ce que dit le Coran. Le mot est coranique. Islam est un mot coranique. C'est le nom générique de la religion de soumission à Dieu. Ce n'est pas le nom propre d'une religion donnée. Non, ça veut dire soumission à Dieu, pas soumission à l'islam. L'islam, ça veut dire soumission à Dieu. D'ailleurs, le Coran dit, c'est la religion d'Abraham. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la religion spécifique de Mohammed. Et le Coran dit, à un moment, de manière très claire, aux Bédouins, dites, nous sommes des musulmans, des musulmans. Ne dites pas, nous sommes des croyants. Parce que vous n'êtes pas encore arrivés au degré de la foi. Donc, à la limite, islam, dans certaines parties du temps, est quelque chose d'inférieur, et je dirais infiniment inférieur, à iman, à la foi. Alors moi, j'étais surprise par la dimension syriaque dans le Coran. Je savais que quelques syriaques chrétiens qui étaient en opposition avec le christianisme officiel avaient décidé de se mettre un peu à part et de faire une religion un peu différente de l'officiel. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont été intéressés par l'islam tel que présenté du temps du prophète, et ils auraient intégré les musulmans de l'époque, et donc ils ont apporté leur culture. Et on dit, d'après ce que j'ai lu dans le premier tome, c'est qu'en fait, ils auraient participé à l'écriture du Coran du temps du prophète, parce qu'ils avaient des connaissances que n'avaient peut-être pas les compagnons du prophète. Et donc, c'est eux qui ont amené des termes, comme vous l'avez rappelé, des termes de syriaque, etc. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi sont-ils allés vers l'islam et ne sera pas resté une branche du christianisme qui était en opposition avec le christianisme officiel. Il faut savoir que, à l'avènement de Mohammed et du Coran, les christianismes sont de manière absolue majoritaires dans la région. Absolue. Les juifs sont peu nombreux. À Médine, ils sont assez nombreux. Médine est judaïsée depuis plusieurs siècles. Les tribus arabes sont des arabes, hein, sont des arabes mais juifs. Mais la quasi-totalité des tribus arabes de juifs sont juifs à l'époque de Mohammed. Mais ils sont minoritaires. Les manichéens sont assez minoritaires, ils sont puissants ailleurs, en Iran, en Asie centrale, en Afrique du Nord, etc. Donc, la très très grande majorité des gens sont chrétiens. Et la très très grande majorité de ces gens-là ont comme langue le syriaque. Le syriaque, c'est l'anglais de l'époque. C'est la langue internationale, en quelque sorte. Et l'écriture syriaque est l'écriture araméenne et l'écriture internationale, n'est-ce pas? C'est de l'araméen qui est issu, l'hébreu qui est issu, plus loin, l'arabe qui est issu, le moyen perse, etc. Hein? C'est un peu comme l'écriture latine, n'est-ce pas, avec laquelle on écrit l'anglais, l'allemand, le français, mais qui sont des langues différentes. C'est un peu la même chose avec l'araméen. Donc le syriaque est une langue extrêmement puissante. Alors, c'est normal si on dit que le Coran, comme le dit lui-même, pas de cette manière-là, mais comme il se présente comme une sorte de continuation des messages de Moïse et de Jésus, c'est normal que le syriaque, c'est-à-dire la langue des chrétiens, soit extrêmement présent, parce que chez les syriaques, il y a le judaïsme et le christianisme, ou le christianisme encore judaïsant. Et on va rentrer un peu dans le détail, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais, si on veut résumer, alors c'est vrai qu'on peut difficilement parler du Coran. Le Coran est un corpus, n'est-ce pas? C'est un ensemble d'écrits, de styles différents, de genres littéraires différents, de messages différents, etc. Bon. Mais bon, pour la simplicité, disons le Coran. Quelle est la christologie coranique?
il y a une christologie coranique. Ça aussi, ça montre que, parce que j'ai dit le Coran appartient à une tradition biblique, mais ce que quelque chose de très important, c'est que les données bibliques du Coran sont dites de manière allusive. Allusive. Si vous voulez apprendre l'histoire d'Abraham ou de Moïse par le Coran, vous n'apprendrez rien du tout. Vous avez des bribes de l'histoire d'Abraham, d'ailleurs un peu disséminées dans le Coran de manière complètement désordonnée, on se demande pourquoi. Mais vous avez quelques épisodes de la vie d'Abraham, de Moïse, de Jésus, etc. Et le Coran les commente à sa manière. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'auditoire connaît ces histoires-là. Sinon, il ne comprendrait rien. Le Coran parle de Jésus. À chaque fois, il dit « Isa ben Mariam, Jésus, fils de Marie, Al-Masih, le Messie, a fait ceci ou cela. » C'est une christologie déjà. Pourquoi? Si le Coran, avec tant d'insistance, dit « Jésus, fils de Marie », pour ne pas dire « fils de Dieu ». N'est-ce pas? Et il dit « Al-Masih », le Christ. Et s'il ne dit pas « le fils de Dieu », mais il est appelé « Verbe de Dieu », Kalimatullah. Il est appelé l'Esprit de Dieu, Ruhullah. N'est-ce pas? Déjà, sans aucune explication, je me demande comment un peuple qui adore les cailloux et les arbres comprend quelque chose quand on lui dit Jésus, Verbe de Dieu. C'est une notion christologique compliquée. Jésus, Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si on n'explique pas la chose, c'est-à-dire, ceux qui écoutent savent de quoi on parle. N'est-ce pas? Mais, je reviens à cela, Jésus, pas fils de Dieu, fils de Marie, mais Esprit de Dieu, et ça n'a rien ni de coranique, ni d'exclusivement arabe. Il y a beaucoup de courants chrétiens qui disent cela. Ce sont des courants non trinitaires et non incarnationnistes. C'est-à-dire, bon, c'est un peu technique, mais ce sont des courants chrétiens qui n'ont pas accepté ni le concile de Nicée, ni le concile de Constantinople. C'est-à-dire une christologie qui n'est pas acceptée par la grande église catholique de Constantinople, chez les Byzantins. Donc, c'est le cas des Nestoriens, des Ariens, des Montanistes, des Monarchianistes, etc. Donc, d'une certaine manière, le Coran prend part aux polémiques christologiques qui faisaient rage à cette époque-là, entre les différents courants chrétiens. N'est-ce pas? Et ces courants chrétiens sont de langue syriaque, très souvent. Donc, c'est normal, je veux dire, de retrouver... Alors, pourquoi ces gens-là ne se sont pas convertis? Pourquoi ils sont convertis? Très souvent parce qu'ils étaient obligés. C'est-à-dire, ce sont des peuples conquis, n'est-ce pas? Donc, parfois, ils l'ont fait de leur propre gré, parfois, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés. Et puis, il y a des gens aussi qui ne se sont pas convertis. N'est-ce pas? Ceux qui sont restés dans l'administration califale au début de l'islam, hein, l'islam, lorsque le califat Omeyyade était à Damas, Damas est en plein pays chrétien. Donc, les Arabes, qui sont eux-mêmes les premiers surpris de la vitesse de leur conquête, les Arabes sont des commerçants depuis la nuit des temps, mais ils ne connaissent pas l'administration. Donc, ils se trouvent à la tête d'un empire et ils disent, on n'a pas d'administrateur. Donc, on prend les administrateurs byzantins, de langue grecque ou syriaque et de confession chrétienne. N'est-ce pas? Donc, ces gens-là ne se sont pas convertis. Même chose dans les terres iraniennes, conquises, administrées par les fonctionnaires sassanides de langue moyen perse. Donc, c'est pour ça que, 50 ans plus tard, Abdelmalek a dit, non, assez, la langue de l'administration n'est plus ni le moyen perse, ni le grec, ni le syriaque, c'est l'arabe. C'est lui qui officialise la langue arabe. Bonsoir, merci pour ce récit. Je n'ai pas encore eu le bonheur de lire le livre, mais je l'ai commandé. J'aurais deux questions. La première est comment a été classé le Coran, sachant, par exemple, moi je connais quand même un petit peu, mais sachant que la première, d'après le narratif musulman, c'est Iqra, mais ce n'est pas la première qu'on trouve, c'est plutôt Al-Fatiha. Et après, c'est Al-Baqarah, donc c'est une langue, c'est pas vraiment... Et la deuxième question, c'est, aujourd'hui, c'est admis, hein, donc, parmi les musulmans, qu'il y a 11 lectures, entre 7 et 11 lectures du Coran.
avec des petites différences, pas énormes, mais c'est des différences voilà, sur la langue, sur la façon, la variante de oui, la lecture et de l'écriture aussi, parfois sur la grammaire aussi. De quand date le consensus sur ces différentes lectures, sans parler des apocryphes côté coranique, en fait. Alors, la canonisation, entre guillemets, de ces 7, 10 ou 14, enfin, c'est le nombre est différent, de ces variantes de lecture est assez tardive, hein, 3e siècle, 3e siècle de l'Égypte. L'ordonnancement du Coran, ça pose un grand problème, déjà aux musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous avons les textes polémiques, n'est-ce pas, après les conquêtes, entre les savants juifs, chrétiens, manichéens, bouddhistes, etc., et les musulmans, les savants musulmans. Et une des critiques qui vient très souvent, de la part surtout des juifs et des chrétiens, aux musulmans, c'est que pourquoi votre livre il est comme ça? On ne comprend rien du tout. On reconnaît là-dedans nos histoires. On y voit Moïse, on voit Abraham, on voit... Mais le début est à la fin, le milieu est au début, etc. Vous avez coupé en morceaux, vous les avez distribués un peu partout. Pourquoi on le comprend? Et les musulmans sont vraiment embarrassés pour y répondre. Ils ont mis sur pied un genre littéraire parmi les sciences coraniques, Nazm al-Qur'an, la composition du Coran. Donc c'est un genre littéraire. Donc où ils ont essayé de répondre à ces critiques, les manichéens sont encore les plus féroces, n'est-ce pas? Ils accordent une importance extrêmement grande, comme d'ailleurs ils sont imprégnés de culture grecque, sur l'ordre logique des livres. Les manichéens sont très vraiment sévères dans leur attaque. Et les musulmans ont du mal. Donc ils mettent sur pied ce genre littéraire, la composition du Coran, où ils essayent de répondre, de justifier, en quelque sorte, ce style de Coran qui n'en est pas un. Et quand vous regardez les différents livres de ce genre littéraire, vous voyez que les différents auteurs donnent des réponses complètement différentes les uns des autres. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi le Coran est comme ça. Et la question s'est posée, c'est que, vous savez que le Coran que l'on connaît a complètement bouleversé l'ordre chronologique de la révélation. On a adopté, disons, selon la vie traditionnelle du prophète, la période mécoise, la période médinoise, donc nous avons des sourates mécoises et des sourates médinoises. Mais dans les sourates mécoises, il y a des versets médinois, dans les sourates médinoises, il y a des versets mécois. Donc, on se dit à quoi correspond cette division en Mec et Médine. D'accord. Donc, ça ne tient pas d'abord. Et ensuite, on a dit, on va mettre les sourates les plus longues au début. Plus on avance, plus la taille de ces sourates se réduit. C'est-à-dire, donc, les premières sourates dans la version imprimée font, je ne sais pas, 30, 40, 50 pages. Et puis, les dernières sourates font 3 lignes. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, on a parlé, d'abord les musulmans ne disent absolument rien sur le pourquoi de cette logique. Les savants ont essayé de voir une sorte de pratique des scribes, des copistes. Mais ça ne tient pas toujours, on dit plus ou moins les épîtres de saint Paul sont comme ça. Hein, les plus longues au début, mais ça ne marche pas toujours. Qui sont d'ailleurs divisés en 114 chapitres. Mais, bon, ça ne tient pas. Et, donc, de la plus longue. Donc, ça a complètement bouleversé la chronologie. Les musulmans n'apportent pas de réponse. Et puis, ça a rendu la compréhension difficile. N'est-ce pas? Les premiers musulmans le disent eux-mêmes. Donc, ce qu'on peut dire, tout à fait en respectant la tradition musulmane, nous avons affaire à un désordre volontaire. Pourquoi? Pourquoi ce désordre volontaire? Parce que ça gêne la compréhension très souvent. C'est-à-dire, si vous mettez de côté, justement, c'était le filtre exégétique, parce que les musulmans ont peut-être intégré par leur éducation, par la tradition, l'éducation, tout ça,
les filtres exégétiques. Donc, ils croient que le Coran, il n'y a rien de plus clair. Ils lisent quelque chose, voilà, ça veut dire ça. Mais si vous mettez, si vous enlevez ces lunettes exégétiques et vous regardez le texte avec un regard vierge, vous verrez, c'est très difficile à comprendre. Et on est parfois très, très, très loin de l'exégèse. Très loin. Donc, pourquoi ce désordre volontaire? Et puis, si vous voulez, il y a un autre problème, c'est que pour les juifs ou les chrétiens, même, je dirais, croyants, ces écritures ne sont pas la parole incréée de Dieu. Alors que le statut orthodoxe du Coran, c'est ça. Si vous dites c'est la parole incréée de Dieu, donc il n'y a pas de question à poser. C'est-à-dire, c'est Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est très contradictoire avec l'histoire, hein, c'est-à-dire que les premiers musulmans ne disaient pas ça. La parole incréée de Dieu, ça a une histoire. On sait la date à laquelle ce dogme a été imposé. Qui est dit que c'est le seul livre qui n'a pas été modifié. Falsifié, oui. Ouais. Sauf les chiites. Les chiites disent si, ce livre a été falsifié comme les autres. Non, mais, ouais. Une question qui rejoint ce que dit Adam, c'est que est-ce qu'éventuellement, c'est une hypothèse qui pourrait éventuellement être acceptée, c'est que peut-être qu'à l'époque du prophète, parmi les gens qui l'entouraient, qui étaient effectivement musulmans, il y a peut-être des pas choses, encore. Enfin pas des musulmans, croyants. Mais qui croyaient en son message, il y en avait peut-être parmi eux qui étaient qui contestaient le message parce qu'ils considéraient que peut-être ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils voulaient et que en fait on a effacé. Et que, moi, c'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai lu j'ai lu que la première partie, le premier, donc je ne sais pas la suite, je la connais pas. Mais j'ai l'impression quand j'ai lu le premier tome, c'est qu'en fait il a certainement bousculé certainement la vie des gens. Parce que ce qu'il apportait comme message ne correspondait pas à ce qu'attendaient certains de ses compagnons et de ceux qui le suivaient. Est-ce que ça ne serait pas qu'ils ont, pas falsifié, mais qu'ils ont essayé de mettre une version un peu moins polémique ? C'est ce que disent les sources islamiques elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de divergences et puis un travail vraiment rédactionnel. Et donc, ce qui est important, c'est ce que j'ai dit, les guerres civiles, les conquêtes et l'Empire. Donc ça change la donne. La première chose à faire oublier, c'est la dimension apocalyptique. Hein, c'est-à-dire que on ne peut pas soutenir que le prophète annonçait la fin du monde, alors que la fin du monde n'est pas arrivée. Donc ça le décrédibilise, en quelque sorte. Donc, entre autres, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que son message a été contesté par certains. Et donc, après sa mort, on a revisité les textes ou les paroles du prophète, et donc on aurait, mais ça c'est une hypothèse que je n'ai aucune preuve moi. Non, c'est l'hypothèse de l'historien pour toutes les écritures, c'est-à-dire les écritures appartiennent à l'histoire, n'est-ce pas? Peut-être que le contenu est révélé, je ne sais pas, ça dépend des croyants, mais en tout cas la transmission est une affaire humaine. Donc, et c'est pour ça que, si vous voulez, les chrétiens et les juifs ne sont pas très gênés par cette histoire-là, parce qu'ils disent, oui, effectivement, la transmission est humaine, donc il y a eu des aléas de la transmission. Ce qui expliquerait la contradiction qu'il y a dans le Coran, ouais. Avec ces versets très longs et les autres petits. En fait, qu'est-ce qu'on a voulu, enfin, ce que je cherche à comprendre, moi, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher? Parce qu'en fait, moi, l'impression que j'ai pour le peu que j'ai lu dans le premier tome, c'est qu'en fait, il y avait des contestations à l'intérieur de la communauté musulmane de l'époque. Enfin, musulmane, je ne sais pas si on les appelait, mais des croyants. Et donc, la version qui a été écrite 3 siècles après sa mort a été peut-être faite... Quand même pas 3 siècles. Pas, non, la version... Disons, la version avait 100 ans après, puisque c'était Haussmann. Ouais. Mais enfin, disons que ça a été modifié parce que ça ne correspondait plus à ce que les croyants... croyaient, et donc ils considéraient que le message devait être modifié parce qu'il ne correspondait plus à rien. Une partie des croyants, c'est-à-dire il faut toujours avoir à l'esprit la pluralité des choses et la réalité des guerres civiles. Nous avons affaire à des gens qui sont en guerre les uns contre les autres, et le Coran est au milieu de tout ça. Pardon, je vous ai coupé. Pardon.
Alors, excusez-moi, parce qu'on va vraiment devoir conclure. Donc, on va prendre la dernière question de madame. Et puis ensuite, ce sera le mot de la fin. Merci. Très intéressant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette religion existe encore ? Sur quoi s'est-elle appuyée en définitive pour être transmise dans tant de pays et dans tant d'esprits, et qu'aujourd'hui encore c'est très vivace et les gens croient vraiment tout ce qu'on leur raconte, n'importe quoi sur le Coran, non, la religion. C'est-à-dire, je crois comprendre ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler sans nuance. Cette religion que vous conjuguez au singulier est plurielle. Ce qui constitue les religions, c'est aussi l'histoire et les traditions. Les traditions. Donc il n'y a pas un islam, il y a des islams au pluriel. Comme il y a autant de cultures de l'islam. C'est-à-dire, à part un nombre très limité de croyances, qui sont des croyances fondamentales, le credo coranique, le monothéisme, le prophétisme, le jugement dernier, hein, ça va rarement au-delà. Et un nombre limité de pratiques, les choses divergent infiniment. Vous regardez l'islam mauritanien et l'islam tadjik, l'islam malgache et l'islam albanais, l'islam sénégalais et l'islam turc, l'islam iranien et l'islam saoudien. On est pratiquement dans des religions différentes. Alors, bien sûr, c'est l'islam, mais de quoi on parle ? Comment les gens vivent véritablement ? Quels sont leurs soucis spirituels, leurs soucis intérieurs, leurs pratiques, leurs rites, les sensibilités qu'ils ont ? Vous avez affaire vraiment à des religions différentes. Donc, je vous dis, à part quelques pratiques et quelques croyances qui sont communes, mais même là, quand vous creusez, la théologie chiite est très différente de la théologie hanbalite. Et je ne sais pas, vous avez la même chose dans les courants mystiques, dans les courants philosophiques, dans les courants juridiques, etc. Donc c'est l'histoire, c'est la tradition et la géographie qui constituent tout ça. Et puis, je veux dire, un concours de circonstances. Il y a d'autres religions qui ont été extrêmement puissantes et qui n'existent plus. Je parlais de manichéisme, là, tout à l'heure. Bon, l'histoire a voulu que certaines religions disparaissent, d'autres religions restent. Mais on ne peut pas dire tout ça, c'est de n'importe quoi ou non. Peut-être, je ne sais pas. Mais tout ça, ça a un sens. Ça a un sens. Aussi bien les parties qui nous paraissent peut-être aberrantes que les parties qui nous paraissent profondes. Et l'historien, ce que fait, c'est essayer de trouver ce sens. Non pas pour lui. Quel est le sens que moi je donne, l'historien ? Non. Quel est le sens que les textes, les pratiques, les communautés donnent à cette réalité ? Nous avons affaire à une réalité, n'est-ce pas ? Plurielle, mais certes, réalité. Mais c'est important, je crois, c'est-à-dire d'essayer de voir de manière la plus objective possible et sereine et respectueuse cette réalité objective. Je pense que c'est un mot parfait pour conclure cette conférence. Bon, merci.